Des dizaines de corps inertes allongés sur le bord d'une rivière en Syrie, la plupart portant un impact de balle dans la tête. Image macabre transmise par des activistes syriens aux agences de presse occidentales. Impossible de vérifier leur authenticité. Selon cette vidéo, nous sommes à Alep et au moins 80 cadavres ont été découverts ce mardi. Tous des hommes, certains les mains attachées dans le dos. Aucune information sur leur identité ni sur les commanditaires de ce qui ressemble à une exécution. Les corps, recouverts d'un drap bleu, ont été emmenés dans une école. Les familles ayant perdu des proches tentent d'identifier un des leurs. Rebelles et régimes s'accusent mutuellement du massacre, mais il n'est pas possible de confirmer les informations de sources indépendantes. En presque 2 ans, la révolte, devenue guerre civile, a fait selon l'ONU plus de 60 000 morts et entraîné l'exode de milliers de personnes. Pour débloquer des fonds en faveur des civils syriens, une conférence de donateurs est prévue ce mercredi au Koweït. Des organismes de charité ont promis 182 millions de dollars et les États-Unis annoncent une aide supplémentaire de 155 millions de dollars.